Monsieur le Président Léotan. Bonne sécurité pour le président. Je pense que le président n'est pas là parce que depuis tout à l'heure je l'appelle et ça répond pas. Et du coup, je suis savoir quelle est votre dénomination, monsieur? Thierry Fidershield. C'est juste pour vous prévenir comme quoi que je vais faire un projet d'attentat tout seul en ville à la Trinité. J'y arrive dans pas longtemps. Quel type de projet? Une bonne petite fusillade, mais pas sur des lapins, sur des êtres humains, c'est plus agréable. Pour savoir pourquoi vous voulez faire ça. Juste pour me défouler. Bien sûr, je n'ai que choisi certaines cibles seulement, ne vous en faites pas. Un règlement de compte. Je vois pas pourquoi vous ferez ça et en plus je crois que le président serait même pris en otage. Alors je sais pas si vous avez en indication à lui communiquer mais ça va être impossible je pense. Ah bah si c'est pas possible, pas de souci, je braque une station de service, ça ira plus vite. Et en tout cas, je ne raterai pas ma cible, je suis déjà arrivé à la Trinité. Excusez-moi, monsieur, là, c'est le président de l'OTAN. Y a des problèmes? J'aimerais savoir à propos de ma candidature de juge. Et attendez, c'est pour ça que vous faites des menaces? Pour savoir si ça va être votre candidature de juge? Je crois que vous parlez à la mauvaise personne. Ah oui, là, moi, mon nom, c'est pas Thierry Fidershield, l'autre con qui vient de vous faire des menaces. Non, non, moi, je suis juste son frère Ah, voilà. jumeau. Vous êtes le frère jumeau de quelqu'un qui fait des menaces? Oui, vous en faites pas, il est juste schizophrène, vous en faites pas. Et du coup, monsieur le président, vous êtes où? Je suis occupé, monsieur, je vous donnerai pas opposition. D'accord. Ah. Moi, je vais arriver au truc gouvernemental l'OTAN pour voir ma candidature de juge, monsieur le président. J'ai vraiment le mec le fouteur de merde, il me répond. Monsieur le président n'est pas disponible, comment je fais pour ma candidature de justice? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Schizophrène, du coup, ça Ça va bien. va être un peu compliqué. Peut-être par ici. Ah, j'attends pour ma candidature. Alors, comment je vais faire pour faire ma candidature truc là? J'ai moins de l'ouvrage. Ça va être fait dans quelques minutes. On est en train de finir notre questionnaire et puis on libérera ce peu. Ouais, ben, Si c'est de toute façon il a dans pris quelques plus, heures, rien ne il comprend. s'arrange. Pour le juge, je pouvais vous le mettre là où je pense. Hein. Moi, j'ai pas le temps à perdre. Ah non, mais je veux bien que j'ai fait attendre un peu le président il y a pas longtemps. Alors, si maintenant je dois attendre 5 heures, on peut laisser tomber l'affaire. Hein. Moi, j'ai carrément fait la contrebande et je peux péter la maison. Alors, monsieur, le président a été pris en otage, donc s'il vous plaît, je pense que le président est plus important qu'une simple candidature. Merci. Ah! Ah, il est pris en otage, le pépère. Ah, bah, il faut le libérer alors. Comme personne qui peut rien appeler Dieu. Ça se trouve où l'endroit? Non, je vous remercie. On a Je un suis très problème bon de technique. négociateur, vous savez. C'est possible, mais non, merci. Oh putain, Pas il le moi qui choix. veux devenir juge. Et est-ce qu'il est possible que je puisse plutôt rejoindre l'armée de terre à la place? Si c'est ce que vous voulez, vous faites une connexion sur le D'accord, messieurs. Par contre, c'est combien le salaire? Avant. Je vous répondrai pas, je pense que l'argent est le plus important si vous êtes pour argent, mettez un capot. Non mais c'est pas ça parce que si je risque mon cul pour rien, juste pour 1 dollar de merde, on peut se les garder. Moi personnellement, vous avez ça fait 3-4 semaines que je suis dans l'armée et on gagne beaucoup plus de choses. Il y a des choses plus importantes dans l'armée que l'argent. Ah ouais? Bah j'ai l'impression que c'est plutôt pas de discussion, intervention, allez, pas de discussion, intervention, contraception. Chacun son point de vue. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, je me suis fait contrôler par un militaire l'autre fois. Le second m'a carrément mis une pêche et c'était un OTAN. Je voulais porter plainte, on m'a dit que je peux rien y faire. Bah putain, elle est belle votre armée de terre. Écoutez, si vous êtes une pêche, c'est que vous méritez. Merci. Restez poli, s'il vous plaît. Vous la méritez aussi. Bonjour, vous mettez sur le bas côté, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y, mettez-vous sur le bas côté.